Salut à tous. Alors, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2024. Pour ma part, je vais être cash, franche. Ça va de pire en pire. Donc, du coup, je cherche une personne âgée, riche, qui sait pas trop quoi faire de ses sous en fait, et qui pourrait m'acheter une petite ferme à rénover, que je puisse me mettre bien avec mes enfants, que je puisse avoir un petit poulailler et tout, leur construire un petit truc. Voilà. Sinon, je cherche aussi à vendre mes pieds sur le net, chose que je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je n'y arrive pas. Ou alors des petites lingeries, vous voyez le genre. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un, faites-moi signe, j'envoie sur Vinted ou je sais pas. Débrouillez-vous, contactez-moi pour mes petites lingeries et des photos de mes pieds. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fétichistes. Et sinon, j'ai envoyé des mails pour trouver un hôtel. Donc si jamais vous avez dans vos contacts un hôtel qui cherche une masseuse, j'ai beaucoup de diplômes en tant que masseuse aussi. Donc j'aimerais bien entrer dans un hôtel pour masser. Ensuite, j'aimerais aussi peut-être... Attendez, je suis floue dans mes idées là. Donc ouais, je disais, comme mes vues, enfin mes revenus YouTube baissent, sont divisés par deux, parce qu'il n'y a plus de vues, TikTok a pris le monopole, donc j'ai plus une thune, j'ai besoin de thunes, donc j'ai besoin de me renouveler, j'ai craché, désolé, donc je me renouvelle hein, en faisant de l'argent un peu facile, quoi, parce que, bah ouais, j'ai besoin de choses, j'ai besoin de trucs, de faire des choses faciles, parce que mon CDI me rapporte peu. En fait, et c'est pour ça que je voudrais un hôtel à temps plein pour être masseuse. J'ai les nerfs contre certaines personnes qui ne répondent même pas aux mails. J'ai envoyé 20 mails dans 20 hôtels différents aux alentours de chez moi. Et j'ai eu 4 réponses négatives du coup parce qu'il n'y a pas de place ou alors parce qu'il n'y a pas de spa dans l'hôtel, etc. Bref, je me suis donné de mon mieux pour trouver un job correct et gagner des thunes. Mais du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, je recherche un mec riche, un vieux qui sait pas quoi faire de son argent et tout. Je recherche aussi, donc, comme je l'ai expliqué, à vendre des photos de mes pieds. Faut que je me renouvelle, hein. Y a plus d'emploi, donc faut se renouveler. Puisque les vidéos YouTube ne me rapportent plus rien. Voilà. Donc, il y a aussi une petite parenthèse. Ah oui, j'ai aussi envoyé, pour être de nouveau dans la mode, pour les salons du mariage, etc. Mais personne ne me recontacte. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui fait des salons de mariage et tout, eh ben j'exposerai avec volontiers les robes de mariée. Voilà! Je recherche aussi des partenariats. Voilà, vous pouvez m'écrire en partenariat vacances, en partenariat Temu. Moi, j'ai pas le droit de partenariat Temu, en fait, je comprends pas pourquoi, il y en a plein. Mais ouais, je recherche aussi des partenariats. Je vous mets mon adresse pro en barre d'infos, ainsi que mon PayPal, on ne sait jamais. Voilà. Donc je vous souhaite bonne année à tous. Moi je sens que ça va être la merde, mais bon, on verra. Peut-être il y a une petite étoile, alors que j'ai jamais eu de chance dans ma vie, hein, vraiment. Il y a une petite étoile peut-être qu'en 2024 qui va me sourire, ou alors je vais gagner au loto, ou alors je sais pas, je sais pas. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne année. À très bientôt. Bisous.